Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire cette très belle couverture sirène qui a été faite donc aux dimensions de ma fille avec cette très belle nageoire. Je ne sais pas si on appelle ça une nageoire ou voilà, la fin de la queue de la sirène. Elle est très 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 belle à faire. Elle est très rapide également. Puis cette vidéo est un petit peu spéciale. Donc désolé pour messieurs et mesdames les critiques, mais cette vidéo a été faite par 3 personnes, donc moi-même, mon fils et ma fille. Mon fils qui tenait le portable, donc je le remercie énormément de m'avoir aidé. Ma fille qui m'a servi de modèle tout au long, même couchée par terre ou posée contre le mur. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale que j'ai aimé faire. Voilà ce que je vais vous montrer. Alors pour cette vidéo, déjà c'est une vidéo familiale, puisque j'ai mon fils qui enregistre avec le portable, ma fille qui me sert de modèle. Alors pour faire cette très belle couverture queue de sirène, je vais vous montrer plusieurs possibilités sur ma fille pour les mesures. Comme ça, vous pouvez faire la vôtre vraiment comme vous le désirez, personnaliser. Ma fille veut que la couverture lui arrive aux épaules, ce qui veut dire que moi, personnellement, je vais faire un nombre de mailles chaînettes qui fait tout le tour de ses épaules. De là à là, je vais faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond au tour de ses épaules. Sur Internet, vous verrez des couvertures qui sont ouvertes à l'arrière. Donc ici, elles sont toutes ouvertes et elles vont être fermées que vers les mollets. Alors vous pouvez, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes autour des épaules, ne pas fermer, laisser ouvert, ça revient au même. Moi, personnellement, je vais fermer puisque ma fille veut que ce soit comme un sac de couchage. Donc moi, je vais fermer, vous pouvez laisser ouvert. Je vous dirai à quel moment vous devez fermer. Sur Internet également, il y a aussi la simple queue de sirène, ce qui veut dire que si vous voulez simplement une queue de sirène, vous prenez la mesure autour de la taille de la personne pour qui vous voulez le faire. Et par contre, si vous faites que la queue de sirène, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond au tour de taille de l'enfant ou de la personne, vous devez fermer, parce que pour la simple queue de sirène, ça doit être fermé. Alors je vous laisse prendre des mesures ou du tour de l'épaule, du nombre de mailles, faire un nombre de mailles chaînettes du tour des épaules, que vous fermiez ou pas, ça vous devez voir, ou faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond au tour de taille de la personne. Alors moi, pour cette couverture que sirène, ma fille a choisi du blanc et du rose fuchsia. Logiquement, on doit aller travailler avec un crochet 9-10. C'est marqué où, je ne trouve plus. Moi, j'ai carrément pris le 10, le plus gros, pour éviter que la couverture ne soit trop épaisse. Parce que quand on fait un gros travail au crochet du genre couverture, si on prend le bon numéro de crochet qui correspond à la laine désirée, ça risque d'alourdir un petit peu la couverture. Donc, il vaut toujours mieux prendre un crochet un peu plus grand qu'on sait pour un grand travail. Donc, moi, je vais faire quelques tours d'une couleur, quelques tours de l'autre. Et là, je vais commencer par le blanc. Alors, on va toutes, donc, prenez les mesures comme je vous ai montré sur ma fille. Dès que vous avez pris les mesures, vous allez prendre votre fil dans ce sens-là, comme ceci. On va le passer autour de notre doigt, sortir la petite boucle, passer le fil sous la boucle, et ensuite, avec le crochet, on va aller chercher notre fil, et on a fait notre nœud de base. Et là, donc, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que vous avez faites. Alors quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, donc moi je vous rappelle à nouveau que j'ai pris les mesures sur les épaules de ma fille, vous mettez bien votre chaîne, vos mailles chaînettes vers vous et on va aller jusqu'à la première. Moi personnellement, donc comme je vous disais, je vais fermer, je vais travailler en rond, en fermé. Vous pouvez ici, vous n'êtes pas obligé de fermer, vous pouvez laisser ouvert. Ça ne change rien pour la suite. Voilà, donc dès que vous êtes arrivé à la première maille, vous rentrez dans votre première maille de départ et on va fermer avec une maille coulée. On ramène le fil et on le fait traverser directement les deux boucles. Voilà, donc dès que vous avez fermé, ça vous fait un grand cercle. Si vous avez décidé de ne pas fermer, il n'y a aucun problème. Ce que vous allez faire maintenant, si vous avez décidé de laisser le haut de la couverture ouverte, c'est que vous allez faire un jeté. Vous allez passer les 3 premières
maille. Et à la quatrième, vous commencez à faire une bride. Donc ça, c'est pour celles qui ont décidé de ne pas fermer le travail. Donc si vous n'avez pas fermé, vous faites un jeté. Vous passez une, deux, trois, les trois premières mailles en partant du crochet. À la quatrième, vous commencez à faire des brides sur tout votre tour. Pour celles qui comme moi, ont décidé de faire fermer, que ce soit en prenant les mesures des épaules ou les mesures du tour de taille, on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. On va faire un jeté. On va aller dans la maille suivante et on va faire une bride. On profite également par la même occasion pour attraper, pour coincer le fil de départ qui se trouve là, dans vos brides. Donc vous allez dans la prochaine et vous faites une bride. Moi personnellement, je vais tout faire en bride, mais si vous avez un motif, donc moi ici je vous disais, je vais tout simplement faire en bride, qui est plus simple pour vous montrer, mais si vous avez un motif de base qui vous plaît, vous pouvez très bien le faire sur cette très belle couverture. La seule chose, c'est qu'il faut, quel que soit le motif, vous devez avoir le bon nombre de mailles chaînettes de départ. Moi, je vais le faire en bride. Alors, je vous laisse terminer, que votre travail soit fermé ou pas, le premier tour de bride. On se retrouve à la fin du premier tour. Alors, quand vous avez fait le tour simplement en bride, on va fermer en comptant bien 1, 2, 3, à la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Et si vous le faites ouvert, si là de vous, vous n'avez pas fermé, donc dès que vous avez fait votre dernière bride, pas de souci, vous faites vos trois mailles en l'air, vous tournez votre travail et vous recommencez en bride sur bride de l'autre côté, tout simplement. Là, pour celles qui font en rond comme moi, on recommence avec trois mailles en l'air, un jeté, on va dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Et vous allez donc faire bride sur bride pour ce deuxième tour à nouveau. Tout simplement bride sur bride, que vous ayez fermé ou pas fermé la couverture. Alors voilà, quand vous avez terminé votre deuxième tour, moi, vu que ma fille veut deux couleurs, elle veut par deux tours en plus, donc je fais deux tours de chaque couleur. J'ai déjà ici coupé mon fil. Vous allez compter 1, 2, 3 à la troisième maille de la première bride. Au lieu de fermer avec la couleur qu'on vient de terminer, on va directement déjà introduire la nouvelle couleur. Donc vous prenez la nouvelle couleur, vous tirez et vous faites une maille coulée. Ensuite, du côté de l'intérieur de la couverture, on fera simplement un tout petit nœud pour que les deux couleurs restent bien, pour que les deux fils restent bien accrochés. Voilà, donc vous voyez, pas besoin de trop forcer. Ensuite, on va reprendre. Que vous travaillez en rond ou en va-et-vient, les trois mailles en l'air. Deux, trois. Je vais profiter pour coincer mes fils en même temps. Donc, je fais un jeté dans la prochaine maille. Je vais faire une bride et vous allez donc à nouveau faire tout ce tour en bride sur bride, bride sur bride. Et je vais vous montrer juste après, pour pas que la vidéo dure 3 heures pour vous bien sûr, à quel moment, jusqu'à quel moment vous allez continuer simplement en bride sur bride avant de faire des diminutions. Voilà, ici je vous montre donc sur ma fille ce que ça donne. On voit, je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer des côtés. Non, comme ça je fais. Voilà, comme ceci. Il y a une bonne largeur de chaque côté pour qu'elle puisse rentrer, pas que ce soit non plus trop serré. Autrement, elle ne rentrera pas dedans. Alors, si vous avez décidé de faire, que ce soit en rond comme moi, du genre sac de couchage ou ouvert à l'arrière, vous allez simplement, à partir de maintenant, faire bride sur bride jusqu'environ, attends, comme ceci, jusqu'environ le milieu du ventre. Donc, jusqu'au milieu du ventre, vous allez simplement faire bride sur bride. À partir de là, on se retrouvera à ce moment-là pour qu'on commence à faire des diminutions. Si vous avez décidé, par contre, de faire que le bas, donc que la queue de sirène à partir de la taille, donc vous aurez compris que vous allez faire bride sur bride à partir de maintenant également, sur environ, jusqu'avant d'arriver au genou.
à mi-hauteur de la jambe, vous allez simplement, si vous avez décidé de faire, donc pardon, je me répète, décidé de faire que la queue de la sirène, vous allez faire bride sur bride jusqu'à la moitié de la jambe, sans diminution, sans augmentation. À partir de là ensuite, on va faire des diminutions. Ça, c'est pour celles qui font que le bas de la queue. Pour celles comme moi qui font la couverture en plus haut, donc une vraie couverture, qu'elle soit ouverte ou fermée, vous allez donc continuer bride sur bride jusqu'à la moitié du ventre. On se retrouve à ce moment-là pour commencer déjà des diminutions, que ça prenne un peu la forme du corps. Alors voilà, ici je vous remontre à nouveau où on en est. Alors quand vous êtes arrivé, tiens-moi ça s'il te plaît, je peux pas. Merci. Quand vous êtes arrivé à moitié du ventre, là on va commencer à faire des diminutions. Les diminutions, vous allez les faire jusqu'à la ceinture. On va faire un rang sur deux de diminution jusqu'à la ceinture. Et pour celles qui ont décidé de faire que la partie du bas, donc la queue, quand vous êtes arrivé à mi-hauteur de la jambe, vous allez également faire des diminutions jusqu'à peu près au genou. Alors là, je viens de vous montrer sur ma fille qu'on va entamer le rang des diminutions. Comme cette vidéo est un petit peu spéciale, parce que ce n'est pas une traduction d'un tuto précis, c'est plus un mélange de trois tutos que j'ai vus, sauf que pour vous traduire un des trois et que ça joue pour tout le monde, honnêtement, ce n'était pas évident, puisqu'en fait, on aurait dû toutes se baser sur le même fil, le même crochet, donc ce n'était pas du tout simple. Alors maintenant, pour les diminutions, à partir de maintenant, moi, pour la taille que j'ai faite, je vais faire, ici j'ai compté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 brides. J'ai fait 16 brides seules et là, je vais faire ma première diminution. Parce que le but maintenant, c'est de diminuer, mais que ça ne se voie pas tout de suite. Ce n'est pas de passer d'un travail qui est carré au départ à un travail tout de suite triangle. Donc, on ne peut pas faire tout de suite beaucoup de diminutions. Alors, si votre travail est plus large que le mien, faites 20 brides seules, une diminution sur tout le tour. Si votre travail est plus petit que le mien, votre couverture, pour un enfant plus petit que ma fille, faites 10 brides et une diminution. C'est pour ça que là, c'est à vous également de juger en fonction de la taille que vous êtes en train de faire. Donc, je ne peux pas vous dire faites 16, une diminution, ça ne jouera peut-être pas pour vous à 100%. Donc, si le travail est plus grand, vous faites 20 brides, une diminution. Et si le travail est plus petit, vous faites 10 brides, une diminution. Donc moi ici, j'ai fait mes 16. Je vous montre comment faire la diminution. Vous faites donc votre jeté. On va dans la maille suivante. On va chercher le fil, on le ramène. On fait un jeté. On traverse les deux premières boucles et on garde le fil. Un jeté, on va dans la maille suivante. On ramène le fil. Un jeté, on traverse les deux premières boucles. On a trois fils sur le crochet. On fait un dernier jeté. On ramène à travers les trois boucles qui nous restent. Là, on a fait notre première diminution. Ensuite, vous allez continuer à faire bride sur bride. Le nombre de brides que vous avez fait ici auparavant, donc moi ici, j'ai fait 16 brides seules. Là, je vais refaire 16 brides seules. Si vous en avez fait 20, vous refaites 20 brides seules, une diminution. Si vous en avez fait 10, vous faites 10 brides seules, une diminution sur tout le tour jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez terminé tout votre rang de diminution, vous allez faire un nouveau rang sans diminution. Donc vous allez reprendre en faisant vos trois mailles en l'air. 2, 3. Vous allez dans la prochaine maille, vous faites une bride et vous allez faire tout un tour sans diminution. Vous allez faire un tour sur deux avec diminution, un tour sur deux sans diminution. Le premier, on a fait avec diminution. Le deuxième, on va faire sans diminution. Celui d'après, on va faire de nouveau avec les 16 brides pour moi, peut-être les 20 ou les 10 pour vous, avec diminution. Celui d'après, sans diminution. Un tour sur deux sans, avec diminution, jusqu'à ce qu'on arrive à la ceinture. Et pour ceux qui font... Et pour ceux qui font juste le bas de la sirène, donc à partir de la taille, vous allez faire ce même procédé jusqu'à ce que vous arriviez au genou de la personne. Donc un rang sur deux avec diminution. Alors voilà, comme je vous disais tout à l'heure, donc on a fait les diminutions jusqu'à la ceinture. Donc à partir de maintenant jusqu'au genou, vous allez simplement faire bride sur bride. Plus de diminution, plus rien. Vous allez simplement faire des brides sur brides jusqu'au genou, sans rien de plus. Avec cette façon de faire, vous n'avez même pas besoin d'un tuto, parce que c'est vraiment, vous faites en fonction de la personne, vous faites plus
plus ou moins de diminution ou plus ou moins de rang sans diminution. Alors maintenant, je vous laisse faire tous les prochains tours sans diminution, sans rien, jusqu'au genou. On se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc là, je vous montre déjà la couverture. Jusqu'au genou, comme je vous avais dit, sans augmentation, sans diminution, sans rien. Donc à partir de maintenant, quand on est arrivé au genou, pour celles qui ont laissé la couverture ouverte à l'arrière, vous allez unir les deux côtés. Parce qu'à ce moment-là, vous allez fermer le juste pour que ce soit fermé des genoux jusqu'aux pieds. À partir de maintenant, on va recommencer les diminutions jusqu'aux chevilles. Un rang sur deux de diminution jusqu'à ce qu'on arrive aux chevilles. Là, je vais essayer de vous montrer pour celles qui avaient la couverture ouverte à l'arrière. Vous prenez bien, quand vous avez terminé votre tour, donc là, j'explique pour celles qui avaient la couverture ouverte. Vous prenez le côté, vous venez terminer. Au lieu de faire vos trois mailles en l'air, de tourner votre travail, vous prenez le côté opposé. Vous prenez le côté opposé et vous allez simplement compter la troisième maille de la première bride de l'autre côté. Vous allez entrer dans la troisième maille de l'autre côté et faire une maille coulée. À ce moment-là, vous venez d'unir les deux côtés de votre couverture. Et là, on va toutes maintenant travailler de la même façon. On va toutes faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Une, deux, trois. Pour celles qui avaient fait, en première diminution, si vous aviez fait 20 brides sol, une diminution, maintenant vous faites 10 brides sol, une diminution. Pour celles comme moi qui avaient fait 16, il me semble, moi je vais en faire également 10. Je vais faire 10 brides sol, une diminution. Et pour celles qui avaient fait déjà 10 brides sol, une diminution, vous pouvez faire 5 brides sol, une diminution. Pardon, comme je vous disais, pour celles qui ont fait 10 avant, vous en faites 5 sol maintenant, une diminution. Pour celles qui avaient fait 16 comme moi, moi je vais en faire 10. Et celles qui avaient fait 20 brides sol, une diminution, là vous en faites 10. La seule chose, c'est que là aussi également, si vous pensez qu'il y a trop pour vous, pour la taille de votre couverture, que ça fait trop de diminution d'un coup, ça va trop se voir, ben vous en faites moins. Si vous pensez qu'il n'y en a pas assez, vous en faites simplement plus. Et vous allez donc faire le même procédé un tour sur deux. Donc un tour, vous faites des diminutions. Le tour suivant, vous faites un tour sans diminution. Le tour d'après, vous faites un tour avec diminution. Et le suivant, vous faites sans diminution. Un tour sur deux jusqu'à ce qu'on arrive aux chevilles. Voilà, donc là, je vous montre à quoi ressemble déjà la couverture. Après avoir fait donc un tour sur deux de diminution jusqu'à ce qu'on arrive aux chevilles. Ma fille, là, s'est couchée à côté. Comme ça, c'est plus simple pour vous, pour voir exactement la forme que c'est en train de prendre. On voit bien que ça commence à prendre la forme du corps sans que ça fasse trop de diminution d'un coup. Là, je ne monte pas forcément toute la tête, mais la couverture est un petit peu plus haute que ses épaules. Donc là, à partir de maintenant, on va travailler, on va faire simplement des tours sans diminution, sans rien, jusqu'à ce qu'on arrive au pied. Donc à partir de maintenant, vous faites le nombre de tours qu'il vous reste sans diminution, sans augmentation, sans rien d'autre, simplement bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive au pied, jusqu'à ce qu'on arrive au petit pied ici de ma fille. Donc vous voyez, là j'en suis, là je suis arrivée à ses chevilles, comme je vous avais dit, voilà, merci ma puce. Je suis arrivée aux chevilles, et maintenant je vais simplement faire bride sur bride, jusqu'à ce que j'arrive au petit pied. Alors je vous laisse faire bride sur bride jusqu'au pied, et on se retrouve à ce moment-là. Là, je vous remontre à nouveau avec ma pauvre fille couchée à côté, que j'ai donc, j'ai continué simplement en faisant bride sur bride jusqu'à ce que j'arrive à dépasser les pieds de ma fille. Juste dépasser légèrement, il n'y a pas besoin d'aller trop loin non plus. Ensuite, quand vous avez donc terminé, vous allez simplement couper votre fil, faire votre nœud et cacher vos fils. Ensuite, il nous reste plus que la partie de l'écaille à faire et ce sera terminé. Voilà, moi ici, je vous montre, j'ai déjà fait donc la nageoire, où j'ai fini la queue de la sirène, parce que pour le faire avec la laine que j'utilise, donc cette taille comme ça aurait été très difficile de vous montrer au plus loin. Alors je vais simplement, moi j'ai déjà fait, je l'ai simplement pas encore cousu et je vais vous montrer avec donc une laine plus petite, plus fine, la même façon de faire.
Alors, vous gardez bien vers vous la partie finale de votre couverture. Ensuite, là, donc, je reprécise, j'ai pris une laine plus petite. C'est juste pour la vidéo, parce que pour la fin de la sirène, j'ai gardé exactement la même laine avec le même crochet. Vous allez faire, pour celles qui ont fait la même taille que moi, vous allez faire 25 mailles chaînettes, parce qu'on va entamer la fin. Ici, attendez, la nageoire, on va la commencer par le centre, par le milieu. On va faire du plus petit et on va monter gentiment jusqu'à la taille désirée. Et la taille désirée, c'est vous justement qui allez la choisir. Ouais, désolée. Donc, je vous disais là, les 25 mailles chaînettes, par exemple, que je viens de vous dire, on va commencer la nageoire par le centre. D'abord, on va monter jusqu'à la longueur désirée. Donc, vous pouvez adapter votre nageoire au corps que vous avez fait, vous pouvez aller plus loin, vous arrêter avant, et ensuite on va faire la deuxième partie. Moi, ma fille voulait le deuxième côté rose, donc une couleur de chaque, mais vous pouvez faire le deuxième côté de la même couleur. Alors, pour celles qui ont fait la même taille que moi, à peu près, et qui veulent une nageoire aussi grande, vous allez faire 25 mailles chaînettes. Pour celles qui ont fait plus grand que moi, vous pouvez en faire 30. 30 mailles chaînettes. Et celles qui ont fait plus petit, vous pouvez faire 15 voire 20 mailles chaînettes. Donc on va faire notre nœud de base. On prend notre fil dans ce sens. On le passe autour de notre doigt. On sort la petite boucle. On passe le fil sous la boucle. Et on attrape le fil avec le crochet. Donc moi là, je vais vraiment faire les 25 mailles chaînettes. Comme je vous disais. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et 25. Alors que vous ayez 25 plus ou moins, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à ce que je viens de vous expliquer, à partir de la deuxième, donc on passe la première maille, on va dans la deuxième et on va faire une maille coulée. Donc on ramène le fil dans la première boucle, on le fait traverser dans la première, ça fait une maille coulée. On va dans la deuxième, on fait pareil, une maille coulée. Ça nous fait notre deuxième maille coulée. Dans la suivante, on fait pareil. Ça nous fera notre troisième maille coulée. Une quatrième. Et une cinquième. Ces cinq mailles coulées, on les fera toujours en maille coulée. Ces cinq mailles. Que ce soit dans, en va-et-vient, celles-là seront toujours en maille coulée. Ensuite, les autres qui vous restent, vous allez faire des mailles serrées. Vous êtes dans la maille suivante, vous ramenez le fil, un jeté, maille serrée. Dans la suivante, vous ramenez le fil, un jeté, maille serrée. Maintenant, vous allez faire maille serrée, une maille serrée dans chaque maille de départ jusqu'à la dernière. Comme ceci, jusqu'à la fin. Alors, quand vous avez fait tout le reste en maille serrée, dans la dernière maille, vous avez fait une maille serrée. On retourne dans la même, dans la dernière, on refait une deuxième maille serrée. Une augmentation, c'est pour faire, je vais vous montrer là, voilà, on va prendre ça comme ça. Les cinq mailles coulées qu'on fait, c'est ces mailles-là de départ. Ça donne cette jolie façon, ce joli fini. Ensuite, vous allez faire donc les cinq mailles coulées, maille serrée jusqu'à la dernière, vous mettez une deuxième pour faire cette petite hauteur, pour qu'à chaque fois ça lève un petit peu plus. Alors je repousse ça. Là ensuite on va, quand on a fait, voilà, donc les deux, on le fera à tous les tours, on mettra toujours deux dans la dernière. Ensuite à tous les tours, on va faire une maille en l'air, on va tourner notre travail. On va passer la première maille que l'on a faite, celle-là qu'on vient de faire pour tourner, on va aller dans la deuxième, mais à partir de maintenant, on attrape toujours le fil qui se trouve sur le haut. Donc normalement, on attrape les deux fils comme ceci.
Là, non, on va attraper que le fil sur le haut pour donner le dégradé. Donc, sur les mailles serrées, vous allez faire des mailles serrées. Automatiquement, maintenant, vous avez une maille serrée de plus du fait de l'augmentation. Donc là, je vous laisse faire maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive aux 5 mailles coulées. J'ai voulu vous le montrer directement avec le bon fil et le bon crochet, comme celui de la couverture. J'ai essayé, mais ce n'était pas possible. À filmer avec le portable et puis une si grosse laine et crochet, c'était juste impossible à faire. Alors, je vous le fais avec un plus petit, mais le résultat est le même en prenant donc la même laine et le même crochet. Donc là, je continue en maille serrée dans chaque maille serrée, toujours en prenant bien le fil qui se trouve sur l'eau et non pas les deux, comme ceci. Ensuite, je vérifie donc 1, 2, 3, 4, 5, donc il m'en reste encore une, voilà, une maille serrée. Et les 5 dernières, on va les faire donc en maille coulée. Les 5 des mailles coulées resteront toujours en maille coulée sur tous les tours. Donc 1, 2, 3, 4. Et vous prenez également que le fil du haut pour la maille coulée. 4 et 5 mailles coulées. Ensuite, quand vous avez fini vos mailles coulées, vous refaites une maille en l'air pour tourner. Vous tournez votre travail. Et là, dès la deuxième, donc on passe bien la première qu'on vient de faire, dès la deuxième maille, toujours en prenant que le fil sur le haut, là, on va refaire les 5 mailles coulées. Quand vous êtes sur les mailles coulées, vous faites des mailles coulées. Donc 2, 3, 4, 5. Là, on reprend maille serrée dans chaque maille serrée, toujours en prenant que le fil qui se trouve sur le haut et non pas les deux. Donc là, vous faites bien maille serrée dans maille serrée en prenant que le fil qui se trouve sur le haut jusqu'au dernier. Donc là, j'ai bien fait ma dernière maille serrée dans la dernière maille. Dans la dernière maille serrée, on rajoute toujours une deuxième, une augmentation, parce qu'on voit déjà, ça commence à faire à monter. Après avoir mis la deuxième maille serrée, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail. On passe donc la première maille, on va dans la deuxième en prenant toujours le fil du haut, et là vous refaites exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée et une maille coulée dans les 5 mailles coulées que l'on a à la fin. Toujours répétez bien les 5 mailles coulées, toujours en prenant bien que le fil sur le haut. Elle n'est pas difficile à faire, c'est long en fonction de la taille que vous avez choisie, mais pas du tout difficile. Ça fait un super rendu pour terminer la queue de cette sirène. Donc là, j'ai terminé toutes mes mailles serrées. Je vous montre qu'il me reste bien 1, 2, 3, 4, 5 mailles à faire. Donc les 5 mailles coulées qu'il vous reste à faire. Quel que soit le nombre de mailles que vous ayez fait pour terminé, vous faites toujours vos 5 mailles coulées à la fin et au début. Enfin, à chaque fois qu'on est de ce côté, bien sûr. 3, 4, et la cinquième qui est toujours plus dure à trouver, qui se trouve là, 5. Comme ceci, on commence déjà à voir, ça commence à faire gentiment la forme. On va faire une maille en l'air pour tourner, on va tourner le travail, et à partir, donc on passe celle-là, parce que c'est la maille en l'air que l'on a fait. À partir de la deuxième ici,
que l'on voit bien, toujours en prenant que le fil du haut, vous allez faire vos 5 mailles coulées. 3, hop, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on reprend la même chose, maille serrée sur maille serrée, en prenant que le fil qui se trouve sur le haut et non pas les deux. Jusqu'au dernier. Comme ceci. Je pense que vous avez compris que le principe est vraiment très très facile pour bien terminer cette belle couverture. Donc je vais vous montrer une dernière fois comment faire. Ensuite, je vous montre comment vous baser pour savoir, pour avoir la taille que vous désirez. Et on aura pratiquement fini. Donc voilà, je fais l'avant-dernière maille serrée. La dernière qui est toujours plus pénible à trouver, en tout cas pour moi. Dernière maille serrée. Et toujours, ne jamais oublier de rajouter une deuxième maille serrée dans la dernière. Pour que ça fasse justement cette jolie montée. Alors je vous montre une dernière fois comment continuer. Quand vous avez terminé les mailles serrées, donc toujours une augmentation dans la dernière, vous allez faire une maille en l'air. Tournez votre travail. Vous n'allez pas commencer dans la maille en l'air, vous allez commencer dans la deuxième. En prenant bien la maille qui se trouve sur le haut. Ici, vous êtes du côté des mailles serrées. Donc, vous faites des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée, en prenant bien que le fil du haut. Ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive aux 5 mailles coulées. Voilà, donc là j'ai fini toutes mes mailles serrées. Je vous montre à nouveau ici. On est du côté des mailles coulées, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous allez simplement refaire. Quand vous êtes dans les mailles coulées, vous faites des mailles coulées, toujours en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Et là, vous faites donc vos 5 mailles coulées. Hop. 3, 4, et la cinquième, qui est toujours plus pénible à trouver, 5. Comme ceci. Vous voyez déjà, ça fait... Donc ici, c'est le centre, le côté le plus petit, ça commence déjà à bien monter. Ensuite, à chaque fois, quand vous serez de ce côté-là, vous allez faire une maille en l'air, tourner votre travail, et dès la deuxième maille, on passe la première, dès la deuxième, en prenant que sur le haut, vous allez refaire vos 5 mailles coulées. Là, mal pris. Une, deux, trois, quatre, et 5 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, vous continuez maille serrée sur maille serrée. Toujours le fil du haut. Donc toujours maille serrée sur maille serrée, comme ceci, voilà. Dans la dernière maille serrée, vous faites toujours deux mailles serrées pour donc faire l'augmentation. À chaque fois, vous allez faire une maille en l'air, tourner votre travail et vous allez refaire ce même procédé. Je vais vous montrer le nombre de fois que vous désirez en vous positionnant donc... Là, comme je mets ici. Donc là, ça fait petit par rapport à la couverture. C'est le centre. Cette partie-là, ça va être le centre de la nageoire pour terminer la queue de la sirène. Vous vous positionnez par rapport au milieu.
comme ceci à peu près, et vous verrez combien de rangs il vous reste encore pour arriver donc ou vraiment tout juste sur le côté, ou alors faire comme ici pour ma fille qui m'avait, je vais essayer de vous montrer sans trop de dégâts, ou ici pour ma fille qui m'avait vraiment demandé quelque chose. Attendez, désolé, mais ça va pas être évident toute seule là. Voilà, comme ça. Ma fille m'avait vraiment demandé une énorme nageoire. Donc voilà, donc moi ici, vous voyez, j'ai continué. Là, cette partie-là, c'est la première qu'on est en train de commencer. C'est le premier côté, on est en train de monter. Vous allez donc faire ce même procédé qu'on vient de, je viens de vous montrer, le nombre de fois que vous désirez. C'est vous qui décidez la largeur et la longueur de la fin de votre nageoire. Ensuite, vous vous placez par rapport au milieu. Si vous voulez que ce soit bien centré et pas comme, comme là, j'ai dû le faire ondulé, puisque ma fille voulait que ce soit ondulé. Enfin, pas ondulé, mais elle voulait vraiment que ce soit tellement grand qu'au bout d'un moment, c'est logique que c'est ondulé. Vous allez vous placer au centre et puis voir si vous, ça vous suffit. Dès que vous avez trouvé donc votre bonne largeur et longueur, vous pouvez simplement, donc quand vous arrivez au mailles coulées, quand vous avez fait vos derniers tours en mailles coulées, vous faites un nœud, vous coupez votre fil. Ensuite, je vais vous montrer comment faire le deuxième côté. Vous n'aurez plus que sur le deuxième côté à répéter tout ce qu'on vient de faire sur le premier. Et ensuite, vous pouvez vous décider, donc comme là, de la longueur et largeur de la fin de votre couverture. Dès que vous avez terminé le nombre de tours nécessaires, donc moi ici, vous avez bien compris que ça n'a aucun rapport, ce n'est pas du tout la vraie taille. Hein. Vous allez prendre le côté le plus petit, donc celui par lequel on a commencé le nombre de mailles serrées, le nombre de mailles en l'air de départ. On va trouver, ici j'essaie de bien vous montrer, 1, 2, 3, 4, 5, puisque les 5 premières sont en mailles coulées. Donc vous entrez dans la première des mailles coulées, vous mettez votre nouveau fil, même couleur ou autre, ça n'a aucune importance. Voilà, on va faire un petit nœud juste pour que ça s'accroche. On va faire pardon, une maille en l'air. Ensuite, on revient dans le même espace. On fait une maille coulée. Donc là, on recommence à compter nos 5 mailles coulées. Une, en prenant toujours le fil sur le haut. Là, c'est pas évident, puis c'est les mailles de départ. Deux, prenons bien le fil qui se trouve sur le haut. Trois. Quatre. Là, on voit un petit peu, on le voit un petit peu mieux ici. Et 5. Donc, on a à nouveau nos 5 mailles coulées. Là, on voit, c'est le fil qui nous reste des mailles serrées que l'on avait faites. Vous prenez bien celui qui se trouve là sur le haut. On le voit assez encore, on le voit encore assez bien avec le blanc. Celui qui se trouve bien ici sur le haut. Et là, vous refaites donc la même chose. Vous faites des mailles serrées. Vous montez en maille serrée, comme ceci. Voilà. Maille serrée. Maille serrée. Donc là, je pense que vous avez compris que le principe de ce côté, voilà. Le principe de ce côté est exactement le même de ce côté. Donc vous allez monter en maille serrée jusqu'à la dernière maille serré. Vous allez mettre une deuxième maille serrée, faire une maille en l'air, tourner votre travail et reprendre maille serrée sur maille serrée et les 5 dernières en maille coulée. Une maille en l'air, 5 mailles coulées, maille serrée sur maille serrée, toujours une maille serrée de plus à la fin. Donc c'est vraiment le même principe. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le faire de ce côté-là. Et donc, vous allez faire de ce côté-là le même nombre de tours, ce qui est logique, que de ce côté. Et là, automatiquement, dès que vous avez trouvé, comme moi ici, voilà, comme moi ici, dès que vous avez trouvé le même nombre, fait le même nombre de tours, pardon, c'est pas évident, voilà. Dès que vous avez fait le même nombre de tours de chaque côté, vous avez terminé la nageoire de votre sirène. Maintenant, je vais juste vous montrer comment les unir. Voilà, là, on y est. Si vous, par exemple, pour la personne à qui vous l'avez fait, la personne ne voulait pas quelque chose d'aussi grand, vous n'avez plus qu'à simplement le rentrer ici dans cette petite espace. Les 5 mailles coulées, justement, servent à ça, à ce qu'on les cache dessous. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident.
à ce qu'on les cache dessous. Puis ensuite, on n'a plus qu'à coudre sur tout le tour, tout simplement. Mais si, comme moi, votre fille a des idées de grandeur, donc j'ai quand même une nageoire beaucoup plus grande par rapport à la couverture, au reste du corps. Donc à ce moment-là, il faut simplement y plier, faire des petites, faire en sorte que ça ondule un petit peu. Vous rentrez malgré tout toujours à l'intérieur de votre corps, de la sirène. Et ensuite, il faut simplement y coudre à nouveau. C'est pas évident. Avec une main à tenir et l'autre à faire, c'est pas très drôle. Voilà. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Hein. On est arrivé aussi loin. Le reste là, maintenant, vous avez compris le principe qu'il faut rentrer votre nageoire ici à l'intérieur. Les 5 mailles coulées servent justement à être cachées là-dessous pour qu'on puisse bien faire notre couture. Et ensuite, votre couverture sera finie. Donc moi, je vais faire la mienne. On se retrouve après pour vous montrer la suite. Voilà, donc maintenant, je vous montre après avoir cousu la queue. Donc finalement, j'y suis quand même arrivée. C'est vrai que ça fait super joli. Ça fait très sympa. Là, je vous montre la couverture en entier. Donc avec ma princesse sirène dedans. Donc elle est vraiment bien grande. Ça la couvre vraiment de haut en bas. En plus, vous avez vu qu'elle est facile à faire. Voilà. Alors j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.